de retour de par ici. Le pitch, je vous le refais, toujours sur le tournage du Coroner saison 2, la série avec notamment des étudiants de l'EMC à la fabrication. Vous savez, on peut louper sa vie, mais pas sa mort. Ben, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est justement lui, le Coroner. Et ben aujourd'hui, on va piger pourquoi. Stéphane, le coroner, le médecin légiste. Calibre 45, balle entièrement chemisée métal. Un noyau d'alliage mou encastré dans une coquille d'acier. Ton job, c'est de décortiquer les cadavres et ton rôle, c'est de décortiquer les films. C'est ça? Oui, c'est un peu plus précis que les films parce que ce n'est pas les films qu'on décortique. Il y a une analogie entre avoir un corps devant moi et tout d'un coup, ça me fait penser à une mort célèbre. La circonstance de la mort me dit « Ah !» Ça me rappelle tel film. Le nom de ce type de munition, Full Metal Jacket. En 1987, sort Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Si on demande à quelqu'un dans la rue, quelle mort au cinéma t'a apporté quelque chose dans le sens de l'apport cinématographique, je suis quasiment sûr qu'on va retrouver deux, trois personnages dont on a parlé. Quelle mort, toi, t'a particulièrement marqué? Alors, c'est une mort qui n'en est peut-être pas une, c'est Thelma et Louise. Ouais. Puisqu'on les voit s'envoler et en fait, le réalisateur ne nous dit pas ce qui se passe derrière. Comme mes auteurs, j'aime à penser qu'elles sont peut-être pas mortes. Qu'est-ce qui t'a plu aussi dans le YouTube game, toi en tant qu'acteur? Est-ce que tu trouves qu'il y a des spécificités, qui vraiment des particularités qui t'intéressent? Je suis nouveau moi là-dedans, c'est pas ma génération le YouTube game. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est le projet, c'est la qualité de travail, c'est l'équipe qui est formidable, c'est les plans qui sont travaillés. Et on n'est pas ridicule quand on parle de films cinéma dont on voit les images, qui sont quand même des images assez chiadées, assez propres. Hein. J'ai l'impression que ce qu'on renvoie de moi et de la pièce du coroner, les images sont aussi léchées et ne portent pas ombrage aux propos. Pour conclure, Stéphane, un rôle mortel? Ouais. Avant d'être mortel, on va dire qu'il déchire. On verra après ce qu'il en est. Ah, je résiste pas à l'envie, tu le fais juste pour nous, le fameux gimmick de fin. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie. Mais pas sa mort.